Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et je suis absolument à la bourre, mais c'est pas grave. La Saint-Valentin ça devrait être tous les jours. C'est une vidéo sur les parfums qui sont, je trouve, appropriés pour la Saint-Valentin. Donc ce que j'appelle les parfums qui sont appropriés pour la Saint-Valentin, ça peut être des parfums qui ont un petit peu un côté romantique, fleuri, mignon, mais ça peut être aussi un peu des parfums qui ont un côté sexy, sensuel, voilà, si vous voulez ferrer le poisson, et voilà. Donc si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, écoutez, restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire pour me faire aussi vous vos suggestions de parfums pour la Saint-Valentin. Il y en a, pour moi, c'est des classiques. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous allez peut-être les connaître. Et j'essaie quand même de vous proposer des choses un petit peu nouvelles aussi, pour varier les plaisirs. Si vous entendez bébé qui babille, c'est normal. On est parti, les amis. Donc, bienvenue si vous me découvrez. Je m'appelle Olivia Garminck et merci les amis de revenir. Allez, parfum numéro 1 que je vais vous présenter, c'est de chez Versatile. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Versatile, c'est une marque de parfum sous format roll-on. C'est des extraits de parfum, c'est des petites huiles comme ça. Alors du coup j'ai pas le format normal, alors je sais pas si vous verrez. Les petits flacons ils sont comme ça. Et là le parfum il s'appelle Acrodisiaque. Donc Acrodisiaque, Saint-Valentin, je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Donc les échantillons se présentent comme ça en fait, mais c'est de l'huile, donc c'est très très concentré. Comme je vous disais, c'est de l'extrait de parfum, donc c'est concentré à peu près entre 30 et 38% au niveau des huiles essentielles de parfum. Donc c'est des parfums qui vont avoir une très bonne tenue. Le format huile fait que c'est des parfums qui vont pas forcément avoir une très grosse projection. Vous allez l'appliquer sur la peau, pas sur les habits, hein, sinon vous allez tuer vos habits. Et là, Acrodisiaque, c'est un parfum où on nous parle, qui nous disent « enivrez-vous ». C'est la nuit de sexe. Ça, on aime bien, ça pour la Saint-Valentin. On nous parle de matcha sensuel, de cuir fumé, il a un côté animal. Et effectivement, moi, quand je le sens, celui-là, je sens vraiment une certaine rose, un certain cuir. Je crois qu'il y a du patchouli dedans, on nous parle d'aneth aussi. Donc, vous allez avoir un parfum qui va être assez intense, assez curé, qui va vraiment avoir ce côté animal, mais vous allez sentir un petit peu aussi ce côté végétal. Donc si vous aimez bien le combo, vous savez, rose, patchouli, cuir, ça peut vous plaire. Et comme je vous disais, l'avantage de l'huile, c'est que vous allez pouvoir la mettre sur les points de pulsation, derrière les oreilles, au niveau des poignets, dans les creux du coude, au niveau du décolleté. Donc ça, c'est des parfums qui vont inviter l'autre à venir se rapprocher de vous pour vous humer et vous découvrir. Donc c'est pas mal du tout. Moi les Versatile, j'aime beaucoup. En plus c'est le genre de parfum que j'aime bien porter en ce moment, justement pour pas trop incommoder mon bébé. Donc j'ai Croissant Café, j'ai God Bless Cola et j'ai aussi Rital Date. Ça c'est parfait si vous voulez un parfum qui sent bon, si vous voulez vous faire plaisir, vous allez vraiment le sentir, parce que ça va bien quand même bien vous faire une petite bulle autour de vous, mais ça va pas forcément incommoder tous les gens ben autour de vous. Et donc du coup par exemple pour une sortie restaurant c'est parfait ça. Donc voilà, ça c'est Acrodisiaque, je sais pas si vous verrez. Voilà, les formats découvertes ils sont comme ça. Là je l'ai explosé tout à l'heure en l'ouvrant, je sais pas comment je me suis débrouillée, je l'ai cassé, mais normalement ça se casse pas, c'est juste que je suis une grosse bourrine. Donc voilà, Acrodisiaque, parfum numéro 1. On reste sur un combo rose, un combo avec du champagne, de la mûre, un peu de patchouli et tout, mais qui est beaucoup plus jovial, beaucoup plus festif, beaucoup plus girly. Je vais vous présenter Pink Me Up de Atelier des Anges. J'arrive pas à parler. Vous sentez que maman n'a pas beaucoup dormi cette nuit ou pas? Donc Pink Me Up de Atelier des Anges, bon ça c'est une nouvelle acquisition. J'ai une opportunité les amis, une opportunité que j'ai su saisir. Ça c'est un parfum, je vous dis, c'est très girly. Ça c'est... Je le mets en Saint-Valentin parce que c'est un parfum un petit peu, si vous voulez vous la jouer espiègle, si vous voulez avoir ce côté un petit peu joujou, un petit peu charmeur, on s'amuse, on passe du bon temps. On s'amuse dans le sens où on va faire des activités rigolotes, où je vais charmer, où je suis... J'ai un petit peu un côté léger, mais pas dans le sens léger, dans le sens plutôt léger, je me prends pas la tête, on rigole, on fait des activités fun ensemble. Ça c'est très sympa. Alors je sais pas si vous verrez sur mon oreiller, mais je viens d'en mettre, et vous voyez... On voit les petits pétales d'or quand vous sprayez sur vous ou sur vos affaires. Donc attention. Et ça, vous allez vraiment sentir en fait à l'ouverture le côté mûr et le côté champagne. Après, ça évolue un peu plus sur ce côté un petit peu rose patchouli aussi. On est un peu sur la même... Enfin, il y a un peu quand même de ressemblance un peu avec le Acrodisiaque, dans le sens où vous avez toujours cette base en fait rose patchouli végétal. Mais vous n'avez pas le côté animal ici. Vous avez plutôt le côté fun, festif, fruité.
C'est très sympa, il y a un petit peu de musc aussi, c'est rigolo. Alors, est-ce que c'est le parfum du siècle? Bon, vous direz pas forcément, mais voilà, si vous avez envie de vous faire un kiff, vous aimez bien le rose, vous aimez bien les pétales d'or, c'est vraiment Atelier des Ors, il y a vraiment ce truc où tu te fais plaisir, voilà, tu te fais, t'aimes bien ça, les petits flocons d'or là qui volent, voilà, c'est rigolo, ça vous met de bonne humeur, c'est léger, tu te mets en rose, tu fais un petit maquillage rose, des ongles roses, tu vois, tu portes ça, t'es dans le thème, franchement, t'es dans le thème, donc voilà, Pink Me Up de Atelier des Ors. Parfum suivant auquel je voulais faire référence. Je vais vous parler de La Belle de Jean-Paul Gaultier. Par exemple, ça c'est un classique pour moi, La Belle de Jean-Paul Gaultier. Vous savez maintenant, c'est un parfum à la poire, à la vanille. Ça, les amis, c'est très gourmand, c'est très intense, c'est très dense, c'est très sucré. Donc vous avez vraiment cette poire cuite, vanillée, très sensuelle, très addictive. C'est vraiment un parfum de charme. Ça, pour moi, c'est un parfum que vous allez porter le soir. C'est un parfum de rendez-vous. C'est un parfum où vous allez envoûter la personne qui va vous sentir, qui va vouloir, encore une fois, vous suivre votre petite trace olfactive, votre petit sillage. C'est très sexy, mais c'est très très sucré. Donc c'est un parfum qui a une très très bonne tenue, qui a une excellente projection, qui a un excellent sillage. C'est vraiment, c'est un parfum, voilà, si vous aimez les gourmands, si vous aimez la poire, si vous aimez la vanille, ça, ça va vous plaire. Si vous vraiment voulez envoyer du lourd, là, vous allez faire plaisir, vous allez vous faire plaisir. Si par contre, vous voulez un parfum avec un peu plus de nuances, mais vous voulez garder quelque chose qui va être vanillé, qui va être doux, qui va être enveloppant et qui va être sensuel, vous avez de chez Majuri, j'en ai parlé dans la vidéo de la marque, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, Sweet Ambrette. Et là, on reste sur un parfum à base de poire, mais vous avez de l'ambrette, vous avez du musc. Donc il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus délicat. Vous avez gardé ce côté fruité. Vous avez gardé ce côté gourmand, très, très agréable, mais il est beaucoup plus doux. Il y a vraiment moins ce côté dessert, ce côté poire sucrée pochée comme on pourrait trouver dans La Belle de Jean-Paul Gaultier. Là, on est sur quelque chose de plus subtil, de plus délicat. Vous allez vraiment avoir en ouverture ce côté poire. Et après, sur l'évolution, il va évoluer vers l'ambrette un peu plus douce et vers un côté musqué aussi. Donc ça reste très joli, ça reste très gourmand, ça reste très séducteur, mais ça, c'est un peu plus pondéré. Voilà, c'est ce que je voulais dire, ça reste enveloppant. Ouais, c'est enveloppant, c'est moins sensuel, c'est plus enveloppant. Donc c'est très joli aussi, donc si vous voulez une jolie poire, bien juteuse mais pas trop gourmande, juste ce qu'il faut, un petit peu fraîche, ben le Sweet Ambrette, je pense que justement il a bien sa place pour contraster un petit peu avec La Belle de Jean-Paul Gaultier. Parfum que j'aime beaucoup, alors c'est le Velvet Shadows de Zara. Pourquoi je vous en parle? Parce que pour moi c'est un dupe de Oriana, c'est un de mes parfums préférés de chez Parfums de Marly. C'est un parfum qui sent la guimauve, la fleur d'oranger. Et là, on est pas mal sur ça aussi. Je trouve que ça fait Saint-Valentin dans le sens où c'est, ou encore une fois, c'est joyeux. C'est très féminin, c'est très girly. C'est un côté, en fait, oui, c'est un côté mignon, mais mignon, pas genre mignon, petite fille mignon. C'est genre, oui, bah t'es, ouais, t'es mignonne, quoi. On a envie de... T'as un côté, en fait, un petit peu femme-enfant qui fait que ça peut plaire. Mais tu n'es pas forcément une femme-enfant, mais t'as un petit côté un petit peu comme ça, un petit peu joueur, un petit peu espiègle. Un peu doux, un peu rassurant, si je puis dire. Mais tu peux être une femme de caractère ou un homme de caractère. Mais voilà, donc Velvet Shadows, sincèrement, ça, si vous cherchez un parfum là, un petit peu fleur d'oranger, un peu guimauve, un peu gourmand, mais pas qui colle aux dents, ça peut être très sympa. C'est pas forcément le parfum qui a la meilleure tenue du siècle. Hein. Je trouve que Oriana tient un peu mieux et il y a une meilleure projection, mais il est vraiment moins cher. Et donc du coup, un chouette parfum de chez Zara, je l'ai pas mal utilisé, un peu moins dernièrement, mais quand je le terminerai, je le rachèterai parce que j'en suis très contente. Alors que mon Oriana, je le rachèterai que si j'ai de belles opportunités. Allez, parfum suivant. Ouh, ça les amis, alors ça, je l'adore, c'est le Venom of Love de chez Navitus. Ça, ouh, ça, c'est sexy les amis. Ça, c'est très sexy, c'est très sexy. Ça, j'adore, franchement, je l'adore ce parfum. Vous avez un parfum avec de la cerise, donc il faut aimer la cerise, de la liqueur, vous avez du chocolat. Il a été créé quand même par quand même une grande parfumeuse, hein. C'est Sidney Lancaster, donc c'est quand même une grande dame du parfum. Et donc en note de tête, on nous parle de chocolat,
de rose, d'absolu de rose de Turquie, de jasmin d'Égypte. Sincèrement, moi je sens pas ça. Moi je sens vraiment la belle cerise liquoreuse à la mon chéri avec la liqueur et le chocolat. On nous parle de crème d'amande, de vanille, de bois d'ambre. Sincèrement, ce parfum, les amis, c'est la folie. C'est gourmand, c'est sexy, c'est envoûtant. Sincèrement, je l'adore. Je l'ai énormément porté. Si vous posez la question, je le décante plus parce que je me suis un petit peu excitée dessus. Et je sais pas si vous verrez. Dans... Ah si, on voit. Vous voyez mon niveau de parfum, il est là. Sachant que tout ça là c'est du foufou, donc il doit me rester ça. Donc je le rachèterai certainement parce que j'ai tellement aimé que je veux absolument le racheter. Vraiment, Venom of Love, c'est une très belle réussite si vous aimez les gourmands, mais gourmands un petit peu avec du caractère. Ça, ça peut vous plaire. Venom of Love, c'est bientôt l'heure du casse-croûte, les amis. On enchaîne, allez, on fait une petite pause, je vous retrouve. Faut pas déconner avec le casse-croûte. Et les amis, faites attention aux parfums que vous portez à la Saint-Valentin parce que sinon vous allez être comme moi, vous allez vous retrouver avec un petit gremlins à la maison. Donc voilà, faites attention quand même. Prenez mes conseils avec des pincettes. Gamme de parfums suivante que je voulais vous suggérer. Je vous parle de gamme de parfums parce que c'est une collection, je pensais au Delina. Delina de parfum de Marly, vous avez Delina exclusive, vous avez Delina la rosée, vous avez le Delina de base. Alors Delina de base, c'est un parfum qui sent la rose, la pivoine, la rhubarbe et la vanille. Donc c'est un parfum qui est très féminin, qui est fruité floral, que j'aime beaucoup. Et il a ce côté rose, légèrement acidulé, mon préféré pendant longtemps. C'était Delina exclusif. Alors ça, c'est un décant que j'ai eu chez Pafouri. J'avais fini mon flacon. Ça, c'est un parfum qui tient très bien, qui a une très grosse projection, qui a un très gros sillage. Et là, vous avez un parfum pareil, à base de rose, de litchi cette fois-ci, toujours de pivoine, de vanille et de musc, mais aussi d'encens qui va donner un petit côté un peu plus dense, un peu plus, je sais pas si on peut dire très féminin, mais féminin de caractère, féminin avec de la profondeur. C'est pas girly, c'est pas mignon là, c'est vraiment là, t'as vraiment, voilà, c'est la femme qui dans sa puissance féminine, qui est sexy, qui sait ce qu'elle veut. Enfin, moi personnellement, je l'adore, Delina, exclusif. Vous avez vraiment de la profondeur. Après, il y a presque, j'ai presque un côté un petit peu rouge à lèvres, mais pas rouge à lèvres poudré. Il y a un truc en fait qui fait que, enfin, il est très 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 beau. Donc vous avez le Delina normal qui est plus rose fruité, un petit peu acide avec sa rhubarbe. Vous avez le Delina exclusif qui est un petit peu plus dense, qui est un peu plus sensuel, peut-être plus pour le soir si vous préférez. Et si vous voulez quelque chose de plus léger, de beaucoup plus aérien, vous avez aussi le Delina la rosée. Lui, c'est une très jolie rose pivoine vanille musquée, beaucoup plus léger, beaucoup plus frais. Lui, je l'adore vraiment. Alors, vous pouvez, bon, je l'ai décanté, mais vous pouvez le constater, j'ai un backup à la maison. Vraiment, j'adore la rosée. Là, typiquement, c'est un parfum qui est parfait quand il va commencer à faire plus beau, quand vous allez vouloir de la légèreté, quelque chose de joli, de féminin. C'est un côté aussi romantique, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez sentir vraiment ce côté plus aquatique, plus frais, plus musqué. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est très très léger. On est moins dans la séduction. Là, on est plutôt dans la première approche. Oui, première approche. On vous repère de loin, vous êtes là. Ouh, ça, c'est pour le premier date. Tu vois, pour pas trop faire peur, mais quand même pour donner une envie d'y revenir. Delina la rosée. Donc, si vous aimez bien ce type de parfum avec vraiment de la rose qui est très présente et vous aimez bien les fruités, allez voir. Entre temps, je vais vous chercher un flacon versatile pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous ai dit, le premier parfum dont on va parler, c'est le Acrodisiaque. Les parfums versatiles, ça ressemble à ça, hein. Vous avez de l'huile, donc sous format 15 ml. Et c'est un petit roll-on. Ça se présente comme ça. Donc, vraiment, vous le mettez derrière les oreilles, au niveau du creux entre les tétés. Ici, vous pouvez frotter un petit peu justement pour faire en sorte que l'huile pénètre mieux et que les odeurs se diffusent. Ça, c'est God Bless Cola. Je vous le recommanderai pas pour la Saint-Valentin parce que ça sent quand même le beurre de cacahuète, la vanille, le popcorn. Et le cola, est-ce que c'est très romantique? Pas forcément, mais c'est très addictif, ça en aime bien. Et j'en ai encore trois pour vous de parfums. Forcément, bon, si vous me connaissez, vous n'allez pas pouvoir le manquer. On a le Passe Soir de chez BDK, qu'on a bien sûr tous renommé toute la nuit. Donc vous avez un parfum ici fruité avec du coing, du gingembre, du poivre.
rose ou noir. Vous avez un petit peu de patchouli. Il a un côté super aguicheur, mais dans le bon sens du terme. Vraiment, c'est le truc où tu vois, tu joues un petit peu avec la personne, c'est charmeur. Il y a le côté fruité qui donne vraiment de la gourmandise. Vous avez le gingembre qui donne du caractère, qui donne un côté épicé. Sincèrement, moi je l'adore. Il a vraiment ce côté un peu qui pique avec le gingembre. C'est sexy, c'est espiègle, c'est joueur, c'est franchement un parfum préféré. Vous pouvez le porter pour la Saint-Valentin, vous pouvez le porter tous les jours. Ça aussi, c'est encore une fois, c'est un parfum qui va faire en sorte que vous allez vous démarquer. C'est pas quelque chose que vous sentez partout en fait. Oui, c'est fruité, oui, c'est plaisant, oui, il y a du gingembre, mais c'est tellement bien fait que là, c'est vraiment un parfum. Voilà, c'est pas ce soir que je suis sage, quoi. Donc franchement, moi je l'aime énormément. Pareil, j'ai bientôt fini mon flacon. Je l'ai pas mal décanté, mais sincèrement, je pense que je me le rachèterai parce que je l'adore, mon copain l'adore, tout le monde l'adore. Voilà, à ce soir. Allez, à mon dernier parfum, ça aussi, on est sur un parfum qui est mignon. C'est plutôt un parfum dans le style un petit peu romantique, un petit peu léger, un peu rose bonbon, un peu c'est le date, ou ça peut être la Saint-Valentin avec vous-même ou avec les copines, ou avec les copains. C'est Cœur de Pétale de chez l'Atelier Parfum. Alors là, les amis, on est sur un parfum aussi qui sent un peu le pétale en fait, le pétale frais de rose. C'est très léger, c'est très frais aussi. Lui, je vous l'ai mis en sélection Saint-Valentin justement par rapport à ce côté très léger, très romantique, très mignon. Ça, c'est parfait aussi pour tous les jours. Mais c'est vraiment un truc facile à porter. Il a un petit côté aussi vert, mais pas végétal vert. J'ai essayé de vous retrouver les notes. Ça fait un moment que je l'ai pas, que j'ai pas regardé ces notes. Cœur de pétale de chez l'Atelier Parfum. Ça, c'est aussi une maison de niche française qui propose des parfums super abordables, ultra qualitatifs. Donc je vous encourage à les découvrir. Je crois que j'ai un code promo avec eux qui vous permet d'avoir... Il faudrait que je vois, c'est moins 15% de réduction, soit ça vous permet d'avoir un flacon de 15 ml offert si vous prenez un 100 ml ou un 50 ml. Enfin, donc c'est pas mal si vous voulez découvrir Cœur de Pétale. Est-ce qu'il est répertorié? Voilà, l'Atelier Parfum. Donc on nous parle de fruité, de rose, d'agrumes. Vous avez vu, je vous ai mis beaucoup de parfums à la rose parce que c'est une note que j'aime particulièrement. Donc vous avez pareil, du litchi, de la rose, de la framboise, du poivre Sichuan, de la bergamote. Moi, sincèrement, quand je le sens comme ça, je sens vraiment le côté rose légère. Et je sens un peu le côté, il y a du jasmin et du muguet un petit peu floral. Donc, c'est pas, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fruité que Delina, par exemple. Même s'il y a du litchi, même s'il y a de la rose, même s'il y a de la framboise. Ici, vous avez plutôt le côté un peu plus fleur qui va ressortir. C'est très joli, c'est très frais, c'est très aérien, c'est un joli parfum pareil, de printemps, de beaux jours, de légèreté, c'est un truc facile à porter. Donc ça peut être sympa pour la Saint-Valentin dans le sens encore une fois où on est léger, on profite de la vie, on est heureux, on est content d'être content. Et Cœur de Pétale, voilà, de chez Atelier Parfum. Je vous mettrai dans la barre d'infos les promos que j'ai. Et le dernier, là le dernier les amis, ça les amis. Ça les amis, faites attention, encore une fois, faites attention sinon vous allez vous retrouver avec un petit haricot ou un petit gremlins. Vraiment les amis, réfléchissez bien avant de le mettre celui-là. C'est, j'ai pas du rouge à lèvres sur les dents. C'est Absolute Aphrodisiaque de Initio. Bon, j'ai envie de vous dire avec un nom comme ça, on sait ce qui va nous arriver. Hein. On est sur un parfum les amis. Là on est vraiment sur une vanille animale, sensuelle, dense. Vous avez du cuir, mais un cuir ambré, pas un cuir, encore une fois, vous savez, je vous dis à chaque fois, celle de cheval. Non, c'est pas un cuir tannerie. Vous avez un truc chaud, ouais, un peu, un animal, mais pas genre, pas le chien mouillé, tu vois, vraiment un côté, c'est un côté addictif, t'as envie d'y revenir, il y a ce truc un peu... Cette vanille, c'est chaud, c'est sensuel, c'est envoûtant, c'est sexy, les amis. Quand vous portez ça, les amis, là, vous envoyez un signal, quoi. C'est pas ce soir, mais c'est clairement ce soir. Non, vous avez, ils nous disent,
Dans les notes, j'essaie de vous les trouver. On nous parle de vanille, d'ambre, de castoreum, de cuir, de musc, de fleurs blanches. Donc, je sais que le côté cuir et castoreum, ça peut faire peur dans le sens où vous allez vous dire, ça va sentir la bestiole. Non, 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 c'est, je vous promets, c'est chaud, c'est sensuel, c'est enveloppant. C'est... Ça, c'est vraiment un parfum. Bon, est-ce que je porterai ça en journée quand il fait très chaud? Non. Mais oui, vous pouvez le porter en journée légèrement. Vous portez ça le soir, les amis. Vous portez ça pendant un rendez-vous. Mais c'est bon. Le problème, c'est que si tu portes ça, tu vas envoûter toute la pièce. Hein. Mais c'est ce truc, il est incroyable. Il est vraiment très, très beau. Je ne le porte pas tant que ça parce que, bon, j'ai pas tant d'occasions que ça. Mais il est incroyable. Franchement, Initio parfum privé, absolument aphrodisiaque, il est vraiment très très beau. Ouais, c'est, franchement, ça sent tellement bon, je vous promets. Il y a vraiment ce côté ambré qui est chaud, qui est réconfortant. Je vous dis, c'est un côté animal, mais c'est aussi un petit côté un peu apaisant. Vous savez, ça, enfin, je vais aller loin dans ma comparaison. Quand vous avez des animaux, même si des fois vos animaux ne sentent pas forcément toujours la rose, mais là, ça sent pas la rose, ça sent la vanille. Il y a un côté, quand vous collez contre eux, ça a un côté rassurant, apaisant. Et ça, et quand vous les sentez, eh ben, il y a un truc où vous vous sentez bien après. Vous voyez ce que je veux dire, eh ben, il y a un petit peu ce truc-là. Mais là, tu te sens rassuré, mais tu as aussi une montée de phéromones quand tu sens ça. Donc, franchement, les amis, si vous avez l'occasion de le sentir, vous pouvez vous prendre un décan de chez Pafori. Vous pouvez vous prendre... allez le découvrir en boutique si vous avez l'occasion, si vous êtes à Paris, chez Jovois et tout. Franchement, il est juste incroyable. Et le dernier dont je voulais vous mentionner, alors c'est l'interdit rouge eau de parfum. Vous savez que c'est pas forcément mon parfum préféré, mais je trouve qu'effectivement il a un côté très sensuel, très sexy, un petit peu dark, un peu vamp. Je vais vérifier que tout aille bien. il est juste incroyable, c'est l'interdit rouge. Alors ça, les amis, ce qui est rigolo, c'est que maintenant chez Sephora, ils le mettent aussi du côté homme. Parce que ça, c'est un échantillon que mon homme s'est fait faire parce qu'il trouvait... Alors ça me fait rigoler parce que généralement, il n'aime pas l'interdit. Et là, la dernière fois, il m'a dit « Ah, regarde, on m'a fait un échantillon de ce parfum !» J'ai fait « Putain, c'est bizarre, c'est un peu connu, je regarde l'interdit rouge. » Là, vous avez un parfum à base de tubéreuse, de jasmin, de fleurs d'oranger et aussi de gingembre. Donc il a aussi un côté très sexy. Pour moi, ce parfum-là, il a un côté très moulin rouge en fait. Très moulin rouge, très crazy or. Vous avez les cheveux courts noirs, la bouche rouge vinyle. Enfin voilà, il a ce côté-là. Je lui préfère le Camélia de chez Elaka. Mais celui-là, je le trouve plus sexy. Justement, je trouve plus sexy que le Camélia, je trouve qu'il est, il est peut-être plus élégant, plus délicat, mais celui-là, il a vraiment un côté très sexy, très pareil, très addictif, très beau, et franchement, il est pas mal. Vous avez du gingembre, de l'orange sanguine en ouverture, vous allez quand même sentir le gingembre, encore ce côté un peu piquant, un peu épicé. Tubéreuse, jasmin, feuille de piment, il n'y a pas de fleur d'oranger, ouais, c'est dans l'interdit normal. Et vous avez du bois de santal, du patchouli et du vétiver. Sincèrement, c'est un parfum qui a une très très bonne tenue, qui a une très très bonne projection. Si vous le prenez en promo, ça va chez Sephora ou chez Marino et chez Nocibé avec du cashback, ça va. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller le sentir. Le noir aussi, l'interdit noir intense, il a aussi un côté très sexy, très très vamp. Vous pouvez aller voir celui-là. L'interdit normal, je trouve qu'il a beaucoup moins ce côté sexy, il a beaucoup plus un côté aérien. Mais si vous voulez du sexy, si vous voulez charmer, si vous voulez être le Valentin ou la Valentine de la soirée, ben voilà, l'interdit rouge, pourquoi pas. Voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Hein, voilà. Habituez-vous de temps en temps à entendre bébé qui pleure ou bébé qui babille. C'est une nouvelle vie, hein, ça vous fera l'animation pendant les vidéos. Comme ça, il n'y a pas que vous qui galérez, moi aussi je galère. Mais bon, écoutez, c'est beaucoup de bonheur. Non, c'est vrai, c'est pas que du bonheur, mais c'est beaucoup de bonheur. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, comme d'habitude. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.